Hey, salut à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zio Adventure. J'espère que vous allez bien. Retournez ici, voilà. Donc les amis, aujourd'hui épisode spécial parce que comme vous pouvez le voir juste ici, Talam, portail du Nether. On va aller au Nether. Voilà, donc programme de l'épisode Nether. Donc j'ai trouvé 3 diams. J'ai miné en train et j'ai trouvé 3 diamants. J'ai pu me faire une pioche et j'ai aussi trouvé 40 obsidian. Du coup, on va se faire un stuff en obsidian. Tiens, hop, on va prendre l'obsidian et on va se faire un stuff en obsidienne. Voilà, qui est aussi résistant. Donc, on a déjà le pantalon. Donc, on va s'en faire un. Tac, c'est un peu le même craft hein, évidemment que une armure normale. Et on a grave le swag. Oh, et donc on a une fire résistance. Voilà, attendez, les amis, que je tourne l'écran. Regardez-moi ce style. Oh, nous sommes parés. Et donc, comme vous pouvez voir juste en dessous, c'est la même puissance que du diamant. Après, on a aussi la possibilité de les renforcer. Et je sais plus trop comment on le fait. Je crois qu'on fait ça tout autour comme ça. Non? Je sais plus. Ou sinon c'est comme ça. Je sais plus comment on les renforce. Je sais plus. Bon. Aussi, donc on peut se faire des épées avec ça. Mais j'ai pas tout ce qu'il me faut. Parce qu'il faut aller dans le Nether. Donc voilà. Donc j'ai aussi un peu miné, je trouve encore un peu d'or, un peu de fer, un peu de lapis, tout ça, donc. Pas très important. Et du coup, on est paré pour le Nether. J'en mets mon armure. Prismarine Helmet. Il est aussi puissant que du James aussi, normalement. Mais ça, la Prismarine, on n'en a pas encore. Du coup, ça sert à rien que je le garde pour le moment. Et donc, go Nether, les amis. On va essayer de se trouver une petite forteresse. Pour avoir du Blaze. Pour pouvoir faire les potions. Et. Après l'épisode d'après, on finira le bâtiment. Donc les amis, je vous préviens, je risque un peu de laguer dans le Nether. Parce que voilà, j'espère que ça va pas trop laguer, mais les premiers moments vont être assez douloureux, je pense. Allez, downloading terrain. Yeah, je le dis en anglais et en français. Bah c'est long. Je vous l'avais prévenu. Je tente une petite ellipse, le temps que ça charge. Ellipse. Attention. Oh les gens. Voilà. On est arrivé dans le Nether. Nether qui est un peu modifié avec le texture pack. On va tout de suite ramasser un peu de quartz. Ok, donc voilà. Donc, tant que ça charge. Preuve que ça n'a pas chargé. On va attendre un peu. Ça c'est sombre tout ça. Ça c'est sombre. Wow. Et oui, avec ce pack de texture, la Netherrack est assez jolie, je trouve. Plutôt joli. Il a du mal, il a du mal. On va attendre encore un peu. Non. J'ai pas pris mon arc. On a 4 netherracks. J'ai pas pris mon arc. Alors attendez. Tac. Alors on est en 38 moins 96. Proche du 0-0. Prends un screenshot. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que... merde. Putain, c'est F3. Ouais, excusez-moi, j'ai du mal les amis, parce que c'est pas moi. Faut pas que j'appuie simplement sur F3. J'appuie sur la touche du FN. F3. Parce que mon ordinateur est un peu... FN, vous voyez. Enfin bref. Blague de merde. Alors, c'est du quartz. Donc le quartz, on va le ramasser plus pour les armures, pour vous montrer un peu comment elles sont. C'est bien que je trouve une forteresse assez rapidement. Le quartz, on en ramasse juste un peu pour le style. Mais on n'a pas beaucoup besoin vu le niveau. On est déjà niveau 35. J'ai pas réussi à trouver plus de diams. J'en ai trouvé que 3. Du coup, j'ai pu faire qu'une pioche. Donc, on n'a pas pu s'enchanter. C'est pas grave. On se plantera plus tard. Tac. On en ramasse quelques-uns. Genre 24. Genre un peu plus 24 pour pouvoir faire full stuff. Pour montrer un peu le stuff en quartz.
Tac. Et tac. Alors. Coup de lave. Ouah. Comme je l'ai dit, il y a des petits lags. Normalement, si j'en fais résistance. Ouais. Ça, c'est cool. Du coup. Faut pas que j'aille trop vite, moi. Oui, bonjour. Forteresse, s'il vous plaît. Pas l'air d'en avoir. Excusez-moi, le portable. Portable qui sonne. C'est pas prévu. Oh, si. Oh. Oh, la joie, il y en a juste à côté. Oh, c'est la joie. Oh, mon Dieu. Dédicace à mon prof de physique de seconde. Oh putain, oh puis j'arrive directement à cet endroit-là. Ah oh, c'est génial. Espérons qu'on trouve du diams. Non. Une selle. Alors, il n'y a que des champignons. On va aussi ramasser des blocs comme ça, parce que je trouve assez classe. On en ramassera plus tard. C'est pas là où je suis arrivé. Bah du coup, c'est là. On va faire comme ceci pour retrouver un peu tout à l'heure. Oh, deux obsidiennes. Tac, des sels, on va prendre quelques sels. Oh, du blaze. Oh, c'est génial. Oh, et puis, je demande ce qu'il me fallait le blaze. C'est exactement ce qu'il me faut le blaze. Oh, et voilà. Les amis, into fire. Vous me faites rien. Elle est grave cheat cette armure, je pense. Je pense qu'on la gardera pas tout le temps. Mais c'est juste là pour. Pour les débuts, parce qu'elle est quand même grave shit. Ouais bon, après le reste, c'est pas trop utile. On va ramasser de ça. Tac, est-ce que j'ai une pelle sur moi? Non, j'ai pas de pelle. Bon, j'ai un coup. Je n'ai pas de pelle. Dommage. Bah, ça nous évitera de retourner tout le temps dans le nether. Tac. Voilà. Ramasser de côté. Tac. Et on va continuer à explorer. Alors. Bonjour Pigmen. Coffre. Je veux deux diams, s'il vous plaît. De l'or, du fer. Tout ça. Elle a l'air d'être plutôt grande. Elle a l'air d'être plutôt grande, c'est plutôt bien, je dis. Moi je dis c'est plutôt bien. Alors, on ressort encore ici. Ah, c'est cool. On a plein qu'on pourra se faire masse popo. Parce que après les amis, hein, bien sûr, on devra faire les boss. C'est pas encore prévu pour le moment, on a encore pas mal de taf avant de faire les boss. Mais. Voilà, ah oui, ok, d'accord, ça part comme ça. On va finir à explorer cet endroit-là quand même. Taper une salle derrière, si, voilà. Tu peux ressortir par derrière. Alors. Peut-être des blazes par là. What? Comment ça se fait que ça a pété ça? Ok, ouh la vache, le couloir, toi. On a une onde d'autres gens en face. Ah, c'est grave cool. C'est grave cool. On a une autre en face, on n'ira pas explorer aujourd'hui. Mais au moins, comme ça, on sait. Si jamais on en veut, il y en aura une autre à côté. C'est plutôt bueno. J'aimerais bien trouver aussi des wither squelettes. Pas mal, il y a un spawner à Blaze. Ça pourrait être cool. J'entends des Blaze. Je sais pas où ils sont, ils doivent être au-dessus. Ça amène où ça? Dis-moi qu'il y a des coffres, s'il te plaît. Ah, yeah. Golden Horse, sel. Je commence à avoir trop de sel, mais bon. Après, si je veux faire des chevaux, ça pourrait être pas mal. Et on arrive ici. D'accord.
Alors, je sais pas si j'ai tout exploré. On va voir. Alors, en bas, à cet étage-là, j'ai tout exploré, ça c'est sûr. Pigman ici. À cet étage-là, c'est sûr. Voilà, j'ai tout exploré. À cette étage-là aussi, ici. Je suis pas allé par là, mais c'est normal, on peut pas. Je ne suis pas passé. Pas si, je suis déjà passé par là. Si, 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 mais c'est pour revenir, donc on va remonter. J'ai pas pris ce chemin-là. Parce qu'il n'amène nulle part. Si, il amène quelque part. Il amène quelque part, mais ok, d'accord, il amène à cet endroit. D'accord. On a du blaze. On entend encore. Bon, du coup, on va avancer un peu là-bas. Alors là, ça mène. Oh putain, oh ok, d'accord, ça c'est cool. Wither Squelette, amène-toi. Oh, j'ai une tête! Oh, j'ai une tête! Oh, j'ai une tête! Oh! Oh mon dieu! 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 Oh! Une Wither Skull! Oh putain! Oh oui! Oh cette chatte! Oh cette chatte! J'ai une tête de Wither en. Attends, allez, je rencontre deux Wither et c'est bon, j'ai déjà une tête quoi! Oh putain! Eh vas-y, tu m'ordonnes une tête et j'explose de joie. Non, faut pas trop pousser quand même. Oh putain! On a un autre là-bas. Ça, on s'en fout. J'en ai combien? J'en ai 5. Il m'en faut beaucoup. Parce que, il m'en faut beaucoup. Allez hop, je dégage. Non, y'a pas un spawner en dessus là, s'il te plaît. T'as même pas un spawner? Même pas un spawner quoi. Non. Non. Oh! Wither Skeleton. Ah si, un spawner là. Et là. Non, pas d'autre tête. Peut-être on va la mettre à la place du briquet. Si jamais on a une autre. Non. Pas d'autre tête. Ça pourrait être cool. Notre Wither Skelet ici, je crois que j'ai vu. Non, mon autre spawner. Ok, bon bah, on va se le faire. Ok, on va attendre. On va attendre un peu, on en a 5. Bon, c'est fructueux quand même aujourd'hui. C'est grave fructueux, puis oh, cette tête. Cette tête, le Wither Skeleton Skull. Oh yeah. Non, tu spawns toi? J'ai pas les particules. Normal, pas que ça trop que ça lag. Allez! Ah! Voilà! Bon, du coup. 6, ouais, c'est pas beaucoup 6. Vu ce que je vais devoir faire, c'est vraiment pas beaucoup. On va ramasser un peu de ça. Tac. Comme ça. Le petit skeleton. Oh putain, soleil. Allez, allez, allez. Oh putain, merde, il m'a touché. Régène. Lave non update. Fais gaffe à ça. Elle meurt. Ah, putain, merde. Elle a cassé. Du coup, on prend celle-là. Tiens, là, toi. Non, toujours pas d'autre tête. Tant pis. Oh putain, j'ai failli frapper. Oh mon dieu. J'ai flippé ma mère. Aïe. Allez. Allez, le double jump. Merci beaucoup. Pas le double jump, mais le run. Pas d'autre qu'on spawn. Non, du coup, Blaze, viens là. Oh putain, sérieux. Tu m'as rien donné, bâtard. Bon, attends, je vais ramasser un peu ça. Avant que tu spawnes.
Tuc. 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 46. Ah, c'est bon. Non, merde. Je croyais qu'il y en avait un. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ah, si, c'est bon. Il y en avait. Sérieux? Ils m'ont rien donné. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh, les gros bâtards. Bon, allez. Tu as quelque chose, toi? Allez. Mais tronc en spawn. C'est un peu les barrières. C'est cool. Touk, 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 hep, on ramasse tout ça. Oui, bonjour. C'est pourquoi? Allez. Merci. Et merci. Ah. Là, tu spawns bien. Là, t'es cool. Là, tu fais ton rôle de spawner. Voilà. C'est pas compliqué quand même. Bon, donc moi, je ramasse un peu tout. Hein, spawnez comme vous voulez, hein, étant donné que vous me faites aucun dégât. Voilà. Touk, 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 touk. Je me demande si le stuff en aquamarine me donne une apnée. Une apnée, je pense. Ce serait grave cool. Pour explorer un peu les. Merci. Blaze Rod, tu viens là. On note là. Non, tu m'en donnes pas d'autres. Ah, voilà. Là, tu spawns bien. Là, papa, il est content. En revanche, j'aimerais que tu me donnes un peu plus. Ah, tu m'en donnes un peu plus quand même. Ah, par contre, le cochon zombie, tu vas me faire chier. 12. 12, 12, 12, 12, 12. Ouais, c'est ça, ouais. Le cochon zombie, tu restes là, tu vois. Voilà. Tu restes enfermé. Voilà, tu restes enfermé ici à jamais. Voilà. Allez, salut, connard. L'épée. Merci bien. Oh, j'ai 13. Ouais. Oula, par contre, le son du jeu est un peu trop fort. À mon goût. Non, pas non plus. 10. Voilà. C'est un peu mieux. J'espère que ça va pas, trop casser les oreilles au début. Hop. Voilà. Merde. Putain. Ah putain. 14. Fire Resistance. Ah, ça c'est cool. Tu vois, j'envoie ça. Bim. Ça me fait dégâts. Et oui, c'est pratique. On a que 14. Alors les amis, pour ce que je vais faire, allez, 20 c'est bien. 20 c'est bien. Ou 15. Ouais, 15. 15 ça devrait suffire. On verra rechercher au pire. Couteau. Comment tu vas? Tu te fais pas trop chier? Bonjour les amis. Ah, merde, j'essaie d'attaquer avec une blaze rod. Ok, il n'a pas. Putain, elle a cramé! Oh non, le seum! Elle a cramé! Le seum! Le seum! Ah, aussi, j'aurais quelque chose à vous dire en fin de vidéo. J'y repense maintenant. Voilà, on l'a tué, on rentre à la maison. J'aurais quelque chose à vous dire, à vous annoncer. À la fin de cette vidéo. Du coup, je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Alors, le poulet, il est où? J'ai plus de poulet. Sérieux? Merde, j'ai pris assez. C'est pas grave. C'est pas grave. On rentre. Ça a été plutôt fructueux. Oh, il y en a encore un. Bon, attends qu'il y en a, écoutez. Allez, meurs. Merci. Par contre, j'aimerais bien que tu meures en me donnant des choses. Ce serait plutôt gratifiant de ta part. Parce que bon. C'est pas que t'es pas utile si tu m'en donnes pas, mais c'est pas que t'es pas très utile si tu m'en donnes pas. Alors, hein. Voilà. Alors, c'est par là. Et oui, c'est par là. Il n'y avait pas quelque chose derrière. Je suis pas allé voir par là. Je crois pas. Je crois pas être venu par là. Ah non, je suis pas venu par là. J'ai assez de sel. Ah, du coup, on a une meilleure. Ok, non, y a rien.
par là-bas. C'est quoi ça là-bas? Ouais, c'est un coin de plateforme. Non, du coup, j'ai combien de... J'ai 16 glowstone. C'est pas énorme, mais ça pourrait suffire. J'ai plus beaucoup de bouffe. On va rentrer maintenant, parce que j'ai plus beaucoup de bouffe. Et je peux déjà plus courir. La prochaine fois, je m'emmène ma bouffe, hein, parce que là, je pensais qu'avec 6, ça suffirait, mais non. Alors, c'est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un escalier. Tac. Tac. Voilà. Alors, ouais, c'est vraiment pas loin, quoi. Le portail, il est juste là-bas. Est-ce qu'on va le voir d'ici? Voilà. Et le portail, il est juste là, et la forteresse est là. Ah, magma cube. Je sais plus s'ils en donnent en petit. En petit, non, je crois pas. Je crois pas qu'ils en donnent, mais bon. Ah non, j'ai pas Slime Ball. J'aime pas Slime Ball, on pourra pas en faire manuellement. Faudra en trouver, parce que potion restance en feu, ça peut être pas mal. Même si j'ai ce stuff là. Ouais, quoique, non, mais de toute façon, j'aurai l'autre aussi après, donc. Qui sera au-dessus. Que je peux déjà faire. Hein. L'autre stuff, je peux déjà le faire. Hein. Le stuff au-dessus, qui est encore plus résistant que celui-là. Mais on va pas le faire maintenant, parce que sinon, on va être trop cheat. Déjà que je suis là pour le Nether, c'est juste sur-cheat. Parce que bon, tu prends aucun dégât de feu. C'est quand même sur-cheat. Mais bon, c'est offert par la maison. Alors, oh putain, les lags. Ça lag un peu, donc c'est normal. Alors, on va rentrer. On va afficher notre trophée. On va l'afficher où? Genre ici, bim. Tête du Nether. Du coup, on va faire un peu l'inventaire. Alors là, on va poser ça ici. Ça, non, c'est un peu considéré comme une armure. Les sels, on va les poser ça ici. J'en ai déjà pas mal. Os, on va les poser là. Nether, la Nether Wart, on va les poser là. Le reste, c'est tout. Si, Blazer Road, on va les poser là. On reprendra après ce qu'on a besoin. Mais pour le moment, oui, ce coffre-là est plein. Du coup, il faut aller dans celui-là. Soul Sand, Obsidian, Escalier, Nether Brick. Voilà. Tac tac là, la pioche gems, flèche on les pose là, briquet, tac, on dépose ça là, non, on pose encore un bloc, même deux blocs, ce qui est plutôt cool, nether brick fence, ça est en bloc aussi, je peux pas le poser là, armure en cheval en or, faudrait que j'en trouve une en diams, ça pourrait être pas mal, nether brick fence ça va être là, seau d'eau je vais le laisser là, torche on stack tout. Et de la bouffe, s'il vous plaît, parce que je commence à avoir grave la dalle. Tac. On mange. Voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, on va faire un peu de stuff. Donc, on va prendre l'obsidienne qui est ici. On va prendre les deux autres obsidiennes qui sont ici, que j'ai mis dans le bloc, alors que je vais plutôt les mettre dans le minerai. On va prendre de la Nether, des Nether Blood, et donc du coup, on va se faire une épée obsidienne qui fait 8 de dégâts et qui est more fucking stylé. Yeah. Regardez-moi ça. Oh yeah. Hey. Et du coup, on va aussi se faire une autre épée qui est là. Cette épée-là, non, c'est pas ça. Ah, c'est comme ça. L'obsidienne Scimitar. Que ça s'appelle Scimitar. Ou c'est un peu le sabre que je vous ai dit qui est plus petit qui est, enfin qui est un peu plus petit que l'épée et qui fait moins de dégâts mais par rapport à l'épée normale on va dire qu'elle ne fait pas de dégâts de recul. Il n'y a pas de dégâts de recul. Par contre, elle ne se brise jamais. Donc elle est aussi puissante qu'une épée en fer quoi, mais elle est incassable. Du coup, voici également, on va également essayer de se faire l'obsidian chestplate. On va se faire le full stuff et on va essayer de se faire le full stuff amélioré pour que je vous montre à quoi il ressemble. Alors, normalement, c'est comme ça et ça va être comme ça, je crois. Truc dans le genre. Je sais plus. Je sais plus du tout le craft. C'est pas directement en fait le stuff. Non. Je sais plus du tout, putain. Je ne sais plus du tout. Je l'avais déjà fait à une époque.
Attendez. Ça m'en demande plus. Non, c'est pas comme ça. Non, je sais qu'il y a les deux Blazer Road comme ça. Faut pas qu'il soit neuf, attendez. Faut pas qu'il soit neuf le stuff. Non. Non, c'est pas comme ça. Bon les amis, ellipse, je vais aller voir comment se fait le craft. Allez, à tout de suite. Re les gens. Bon, j'étais checké, c'est plus simple que ça. Donc apparemment, l'obsidienne. Alors il me faut des blaze rods. C'est comme ça. Obsidienne chest plate. Et comme ça. Et bien sûr, il faut qu'il soit neuf. Alors attendez. On va réparer tout ça. Ah, attendez. Regarde si réparer. Est-ce que ça fonctionne? J'ai vu dans le craft, c'était comme ceci. Voilà. Le Renforced Obsidian Chest Plate. Du coup, lui, c'est simplement comme ça. Le leggings, faut que je le répare également. Il faut en mettre deux. Ok. Yin et l'obsidian map. Et du coup, j'ai ça renforcé. Du coup, le casque, c'est ceci. Et le pantalon, je crois que c'est la même chose. Voilà. Du coup, on a une armure renforcée. Les amis, êtes-vous prêts? Din, 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 din. Et du coup, oh yeah, les amis, est-ce que vous kiffez? Et attendez, attendez, zone. Vidéo settings, animation, particule, all, flame animated. Et voilà. Les amis, est-ce que vous kiffez cette armure? Oh fucking yeah. Et là, les amis, je peux vous dire qu'on pète tout. Donc le seul inconvénient de cette armure-là, c'est que elle laisse des petites traînées de flammes sur votre écran. Mais ce n'est pas bien important. Du coup, on a la full reinforced armure qu'on ne va pas mettre. Les amis, on ne va pas la mettre parce que c'est trop de cheats. Pour le moment, on va faire un porte-armure. Il y a de ça là. Ah là. Faire un porte-armure et du coup à la place on va faire une armure en quartz. Donc on va se faire un pantalon, des chaussures, un casque plastron. Et du coup voilà, full armure comme ceci. Alors attendez, bim, normalement c'est comme ça. Oui, stone prison plate, non c'est avec 3, je savais plus trop. Mais oui, c'est bien avec 3. Tac, stone slab. Il me faut du bois. Il y en a là. Il y en a là, il y en a là. Il me faut plus que 4. Voilà, 8. Je sais plus trop le craft. Je crois que c'est ça. Non. Quoi le craft? J'avais déjà fait à l'époque. Non, c'est pas ça. Attendez. Attendez, 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 attendez. Alors, attendez. Chut. Non. Clic. Porte-armure. Oula! Comme ceci. L'armor stand. Et on va faire ceci. Alors,
Je crois que ça bug un peu. De la tête. Voilà, ça bug un peu du mal à la tête. Mais c'est pas grave, les amis, regardez cette armure. N'est-elle pas overclass? Du coup, on va se faire l'armure de. Par contre, on va se faire une armure. Celle-là, on va se la renforcer. Par contre, celle-là, on va se la renforcer. Alors, renforcer, je crois que c'est la même que l'autre. Voilà. Renforcer. Ça va être la même. Je pense. J'ai pas vu le craft pour lui. Non, c'est pas ça. Attends, on va se renforcer le reste. Les boots. Le legging. Et lui, c'est pas ça. J'avais vu ça. C'est pas ça? Merde. Non, s'il te plaît. En quartz. S'il te plaît. Renforcer, vu ce que je sais déjà faire. Oui, non, mais même le craft. Bon, allez, les amis, re, je vais chercher. Re. Donc, j'ai enfin trouvé le craft. Je te laisse sur le site pour le trouver. Il était pas très compliqué, du coup. Voici notre armure. Voilà, les amis. On n'est-il pas stylé comme ça? On a l'air d'un veau, d'un bœuf, je sais pas. Du coup, est-ce qu'on va pas, on va pas garder cette obs, on va garder cette obsidian sword. On va quand même se faire, allez, un petit kiff, voilà, on va se les faire. Donc elles sont aussi puissantes que du fer. On va se les garder comme ceci. Et donc du coup, on est full stuff. Quartz, avec du renforcé de quartz. Alors, je me semblais que c'était plus puissant. Alors, attendez, je suis dans la description du site. Ah, par exemple, phénomène. Ah, elles sont non, les armures renforcées. Ces armures ne sont pas plus résistantes aux dégâts, mais ont une énorme différence esthétique et durent plus longtemps. Donc, non, en fait, c'est simplement de l'esthétique. L'armure en quartz renforcée, par exemple, a une moyenne de 412 points de durabilité, soit presque 100 points de plus que sa précédente. Elle a la même résistance aux dégâts que le fer, elle aussi, mais possède donc en moyenne 220 points de durabilité de plus que l'armure en fer. En réalité, l'armure en quartz renforcée dure même exactement deux fois plus longtemps que l'armure en fer. Son craft est un peu différent, mais pas très coûteux non plus. D'accord, j'ai pas une différence esthétique, voilà à quoi ressemble la machine. Et donc l'autre également. Il y a 30 points de plus. La différence esthétique est aussi, hein, on peut plus d'armure qui change, des particules sans doute. Oh. Reste près de la tête lorsque le plastron est équipé. C'est très sympa. Il est très sympa l'armure en prismarine, je trouve. Elle est carrément classe. Donc voilà. On revient un peu tous les items que le mode a rajouté. Donc voilà, c'est ces armures-là. On a aussi, on a également en fait les items. Ça, une pioche en obsidienne. Vous voyez, c'est quand même assez coûteux en blaze rod. Mais bim, une pioche en obsidienne. Yeah. Du coup, on va ranger un peu tout ça en bas. Alors, on va ranger tout ça là. Ça, ça et ça. Et on va se faire la table des potions. Normalement, on en a encore. Ouais, on a encore 7. On en a encore 7. Ce qui devrait être largement suffisant. Brewing stand. On va le poser là. Du sable, je dois en avoir en bas. C'est pas comme si on en manquait. Sand. Par contre, il y a un cochon qui est sorti. Ok. Il m'a laissé ça plus sans sa golden sword. Yeah. Je n'ai pas un or. Bon, ça sert pas à grand chose. Alors, je sais plus.
plus de charbon. Tac. Là. Fond le sable. Faut un point d'eau. Il me faut un point d'eau. Attendez. Faire un truc. Merde. Le con. Putain, l'abruti. L'abruti. Faut le miner avec une pioche. Putain, je suis vraiment con des fois. Alors. Parfait. C'est pas grave. Tac. Comment ça va? Ça, mon seau est là. Du bois. Tac. Tac, pressure plate. Tac. Tac. Voilà. Bon, c'est pas beau. Au moins, c'est fonctionnel. Je veux dire que. Tac. Et toc. On va déposer 3 là-dedans. Ah, puis en plus, j'ai. C'est pas en combien d'un point vite, on a besoin de. De Blaze Road. De Road. De Blaze Road Powder. Putain, je ne connais plus mes termes. Sur des potions de force. Et les potions de force 2, c'est avec. De la Glowstone. Faire les potions et on va arrêter là les amis. Attends un peu que ça fuse. Voilà, ça revient pas de bon. Ok. Je vois bien un truc aussi. Il me faut de la pierre. J'en ai pas. Putain. Normalement. Ah non, mais ça, c'est avec du fer. C'est avec du fer. Tac. Putain. Le coffre. Non, ça c'est le Soul Sand. Il m'en faut 8. Voilà. Coffre. Tac. Tout. Tout. Tic. Faut le connecter. Ceci. Non. Potion de force. Voilà, plus 130%. Bah, ça continue à se faire des glaces. Bim. Voilà. On va se les remplir. On sera paré. Donc les amis, prochain épisode, on ira continuer la maison, la base. On ira finir de construire. J'ai pas encore ramassé tous les blocs dont j'aurais besoin. Strength 2. Du coup, on remet des potions. Du coup, Strength, on va les mettre là. Tac. Et tac. Et il me faut ceci. J'ai une canne à sucre. C'est génial. Voilà. On va falloir la faire pousser avec une suite, tiens. Voilà, on va ranger un peu tout ce qu'on a. L'obsidienne, on le met là parce que ça devient un peu comme un mineur. Ça, on met là, ça, on met là. Gold nuggets, non, on va le garder parce que c'est important. On va mettre les water bottles ici. L'épée, on la met là. Ça, on remet ça là. Le quartz également. Stone slab, on le met ici. Ma petite gueule nuggets, on la met là. Glace, on avait déjà 6. Du coup, mes potions devraient maintenant être prêtes. Speed et speed 2. Speed 2, on fera aussi des rapides, plus rapides, enfin des plus longues. Au moins longtemps. Si je crois que je peux. Je sais plus si je peux monter la durée. Ça va être la redstone. Je crois. Ouais, si.
Je sais plus si les speed up peuvent être allongés. On va regarder un peu les plantations. Il y a les carottes qui ont poussé. Du coup, on fait ça. Touk touk. Tac tac touk tac tac touk touk. Voilà. Alors, les potatoes. Tac. On plante tout ça. Putain, la vache, c'est vraiment. Je risque jamais d'être en manque de bouffe, hein, avec tout ça. C'est vraiment la vie. Dès que tu commences à avoir des pommes de terre et des carottes, c'est vraiment la vie. Alors on va retourner à la base. La potion doit être prête. Je sais pas si elles peuvent être allongées en deux. Non, elles peuvent pas être allongées en deux. Du coup, c'est des potions de speed 1, mais en rallongé. C'est pas grave, c'est déjà nickel. Alors les potatoes, on va ranger ça en bas. Oh, alors rien bouffe. Voilà, les torches on garde, le seau on garde. Et les potions, on se les met. Comme ceci. Et on va en finir avec cet épisode. Alors attendez. Voilà, et voilà. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc au final, on aura fait une petite excursion Nether qui se sera plutôt bien passée. Le stuff en obsidienne est assez cheaté. On peut voir aussi qu'il est vivant sur l'armor stand. C'est génial. Il est vivant. It's alive. Donc on se sera bien stuffé. On est bien stuffé, je trouve quand même. Donc cette armure-là est aussi puissante que du fer, mais je veux pas non plus trop le cheater parce que l'armure que vous avez derrière est juste over-cheatée, on l'a bien vu dans le Nether. C'est aussi résistant que le diamant, mais c'est plus résistant. Enfin, c'est aussi puissant que le diamant, mais c'est aussi résistant. Plus résistant que le diamant et ça pas de dégâts de feu. Du coup, voilà, on va rester un peu avec le stuff un peu basique comme ça. Donc, à part des pioches, des haches et tout, on fera. Je pense que je retournerai un peu dans le Nether, ramasser un peu de blocs et tout ça en off. Donc les amis, on se retrouvera pour la maison et puis voilà. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympatoche. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et les prochains lives de Sense, parce que Sense s'est mis à faire des lives ces temps-ci. Donc il y en a déjà deux, donc il y a le live sur Broforce et le live de tout à l'heure. Alors je tourne sur GTA Online qu'il a fait avec Seb. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Et puis voilà. Allez, ciao ciao!